Chers amis, IES, hein, bien évidemment, bonsoir et merci d'être avec nous en présence physique et aussi avec la technique de la visio. Et on est très heureux de passer ensemble ce moment, cet hommage que nous avons voulu rendre à Christian Bobin. Parce que la disparition de Christian Bobin, c'est certes un événement national, mais c'est aussi un événement dans le cœur de chaque lecteur de Christian Bobin, les écrivains, les poètes ou les apprentis poètes, car tout lecteur de Christian Bobin, tout lecteur de Christian Bobin rêve en secret de se faire poète. Alors nous devrons maintenant faire sans lui, sans sa voix. Nous devons continuer à écrire, à penser, en se souvenant de cette parole. J'ai aimé les livres pour ce qu'ils étaient, des blocs de paix, des respirations si lentes qu'on les entend à peine. Ce soir, nous, les laborieux apprentis poètes, nous allons ensemble respirer lentement ses vers, sa prose, ses images et les fulgurances de sa poésie. Il les entendra à peine, mais il les connaît si bien. Nous serons cette voix de lecteur, d'écrivain, de poète et de témoin sur l'expérience Christian Bobin et l'impact de la lecture de Christian Bobin sur leur écriture, ou sur leur pensée, ou sur leur poésie, ou sur leur rêve. Alors cette voix, nous ne serons que des femmes, les hommes ont déclaré forfait, mais ils avaient des raisons impérieuses, bien évidemment. Frédéric Brun, qui est responsable, qui a créé cette très belle maison d'édition qui s'appelle Poésis et qui sera représentée par Enza Palamara, qui est elle-même poétesse, et Marc Bourriche, qui est poète et qui fait aussi partie de l'association Écriture et Spiritualité. Dans l'ordre, il y a bien sûr Monique Grandjean, grand témoin de l'association Écriture et Spiritualité, et puis il y aura Christine Rey, Claude Plettner, Marc Bourriche, vous serez sa porte-parole, Enza Palamara, qui parlera pour son compte, mais aussi pour le compte de l'édition Poésis, Agnès Gueret et Enza Palamara de nouveau. Voilà. Et pour nous accompagner dans cet hommage, eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous le joli duo Aventurine, qui est composé de Dominique Le Guern au piano et Claire Bussel au violon. Voilà, je nous souhaite un joli moment. Merci à tous. Nous allons commencer cette soirée par un arc-en-ciel, un morceau qui s'appelle Over the Rainbow, composé par Harold Arlen. Et c'est un ami musicien, violoniste, qui nous a réécrit un petit peu le morceau à sa façon. Thank you.
Oui, on n'y voit pas très clair. Non. Comme ça? C'est un extrait, des extraits de l'Éloge du Rien, 1990. Votre lettre est là, sur le bord d'un buffet de cuisine. Elle attend. Depuis bientôt une semaine, elle attend ma réponse. Une petite femme d'encre, modeste, avec sa jupe un peu froissée, ses phrases croisées sur ses genoux. À chaque regard sur elle, elle repose sa question. Et je ne sais toujours pas y répondre. Vous me demandez un texte pour votre revue. Un texte, ou au moins quelques phrases. Elle serait aimantée par cette question. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? On demande toujours trop aux écrivains, comme s'ils détenaient un savoir abondant, disponible jour et nuit, comme si l'on écrivait à partir d'un savoir. C'est l'inverse qui est vrai. On ne peut bien écrire que de ce qu'on ignore. On ne peut bien écrire qu'en allant vers l'inconnu, et non pour le connaître, mais pour l'aimer. Mais je m'éloigne de votre question. À moins que j'y sois au centre, seul l'amour donne du sens à ma vie en la rendant elle-même insensée. Pourquoi faudrait-il un sens à nos jours ? Pour les sauver ? Mais ils n'ont pas besoin de l'être et il n'y a pas de perte dans nos vies, puisque nos vies sont perdues d'avance, puisqu'elles passent un peu plus chaque seconde. Un mot me gêne dans votre lettre, ce mot de sens. Permettez-moi de l'effacer. Voyez ce que devient votre question, comme elle a belle allure à présent. Aérienne, filante, qu'est-ce qui vous donne votre vie ? La réponse, cette fois-ci, est aisée. Tout ce qui n'est pas moi et qui m'éclaire, tout ce qui n'est pas, tout ce que j'ignore et que j'attends. Oui. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, toujours à son heure, jamais la nôtre. Il demande pour venir tout le ciel, toute la terre, toute la langue. Il ne saurait tenir dans l'étroitesse d'un sens. Il ne saurait pas même se contenter d'un bonheur. L'amour est liberté. La liberté ne va pas avec le bonheur. Elle va avec la joie. La joie est comme une échelle de lumière dans notre cœur. Elle mène à bien plus haut que nous, à bien plus haut qu'elle, là où plus rien n'est à saisir,
sinon l'insaisissable. Bien sûr, je ne réponds pas vraiment. Je chante. Mais va-t-on demander à l'oiseau la raison de son chant ? Nous allons continuer avec le célèbre Ave Maria de Boudot, qui a été écrit sur une des plus belles pages de Bach, de Jean-Sébastien Bach, qui est le prélude en Do majeur. Christian Bobin. Ça, c'est quoi? C'est le son. C'est le micro. C'est le micro. Ça peut nous servir. Ça peut nous servir. Merci. C'est bien. Christian Bobin, prix des écrivains croyants d'expression française 2006 pour son essai « Prisonnier au berceau ». Les livres parlent entre eux, c'est bien connu.
nous disait en souriant le philosophe Lucien Gerfagnon. Christian Bobin ne nous dirait pas le contraire. Lui qui, à la mort de son mentor, le poète Jean Grosjean, évoquait la mélancolie de ses livres, orphelins de leur père. Oui, les livres parlent entre eux, et particulièrement ceux qui ont reçu le prix des écrivains croyants d'expression française ou le prix Écriture et spiritualité. Ce prix littéraire, qu'il soit AECEF de 79 à 2015 ou bien aujourd'hui Écriture spiritualité, se veut nourri aux grandes religions monothéistes et aux courants spirituels irriguant la vie contemporaine. Ce prix ouvre un espace de lumière, célèbre la qualité littéraire et la poésie du vivant. En 2004, événement très rare, nous n'avons pas pu départager la qualité de nos lauréats et avons attribué conjointement les prix Vladimir Volkov, chrétien orthodoxe, Colette Kessler, écrivaine juive, et Malek Chebel, écrivain musulman. En 2005, Nathalie Naber, spécialiste de la spiritualité cartusienne, reçut le prix pour son livre « Liturgie intérieure ». Ce livre s'inscrivait dans la tradition chrétienne et il éveillait chez l'homme d'aujourd'hui, dans un esprit d'ouverture, le sens du mystère et de la transcendance que nous allions retrouver particulièrement parmi les écrivains retenus pour la sélection 2006. Dès décembre 2005, nous avions fait une première sélection de 13 titres pour le prix 2006. Mois après mois, le jury avait affiné son choix et au final restaient en lice Marie Balmary, Christian Bobin, André Bonnet, Philippe Claudel, René Guiton, Henriette Jelinek et Monique Weybrard. Le prix a été décerné en mai 2006 à Christian Bobin pour son ouvrage « Prisonnier au berceau ». Je me souviens comme si c'était hier de tous ces livres cités et de leurs diverses qualités, leur côté historique ou romanesque ou théologique. Mais je ne peux oublier mon bonheur de lectrice en parcourant Prisonnier au berceau. Je suis toujours attirée par une belle écriture, mais je me sens particulièrement très proche de quelqu'un capable de trouver un monde dans un brin d'herbe, une symphonie dans le scintillement d'une flaque d'eau et qui s'adresse ainsi aux humains si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours, nous tomberions à genoux devant tant de grâces. Ouvrant Prisonnier au berceau, je fus éblouie pour toujours. Bobin nous parle ainsi. J'ai toujours habité deux villes, le Creusot et la ville qui est au-dessus dans les nuages. Écartant le rideau du bleu, trois anges sont descendus du ciel. Ils sont entrés par la fenêtre de la cuisine, se sont assis autour de la table et sans prononcer un mot, m'ont regardé. Je les reconnaissais. Ils venaient de mon enfance captive des lumières bleutées d'un massif d'hortensia et des trilles d'un merle cherchant à rompre une trop longue solitude. J'ai été seule pendant 2000 ans, le temps de l'enfance. De cette solitude, personne n'est responsable. Je buvais du silence, je mangeais du ciel bleu, j'attendais. Entre le monde et moi, il y avait un rempart sur lequel un ange montait la garde, tenant dans sa main gauche une fleur d'hortensia, sorte de boule de neige bleue. Peut-on imaginer cela? J'avais remplacé le président Roger Pichelberger, hospitalisé le jour de la remise du prix au Mercure de France. Je lisais donc à sa place la Laudatio au lauréat du jour. À partir de ce moment-là, nous devînmes très amis. Je ne suis donc pas étonnée, l'année suivante, de l'entendre au téléphone, transporté de joie, m'annoncer l'éclosion d'un nouveau poète génial
d'origine gitane et piémontaise, Jean-Marie Kerwitch. La critique tellement lyrique de Christian Bobin sur le livre de son ami L'Évangile du Gitan ressemble à une aquarelle du peintre russe Chagall. Je ne peux résister de vous en lire un petit morceau. Qui nous aide à respirer commence par nous couper le souffle. Chaque texte du livre de Jean-Marie est un paquet d'embruns qui ouvre violemment la fenêtre de l'âme, comme les prophètes de la Bible, ils cherchent à tirer Dieu de son sommeil, comme eux, le loup de son âme hurle à la lune blanche, nous avons crucifié la nature, le souffle brûlant de ce livre la ressuscite. À mon tour, subjugué par ma lecture, je l'inscrivais sur la liste de sélection pour le prix 2009 et à la grande joie de Bobin, encore plus forte que celle de son ami gitan, Jean-Marie Kerwitch fut lauréat 2009. Les deux amis aujourd'hui conversent, jouent et chantent avec les anges. Mais leurs livres sont là pour garder leur voix, pour garder la voix de leur chant. Et hier encore, j'ai terminé le roman d'Éric de Kermel, La traversée de lumière, imprimé chez Flammarion en 2023, qui rappelle en dernière page l'admiration de l'écrivain pour son maître Christian Bobin et qui termine par une phrase de lui du Muguet Rouge, « La vie est une couronne trop lourde pour nous. On ne peut la mettre sur notre tête, seulement la tenir quelques années. » Christian Bobin, toujours l'homme du désastre. Lui, Antonin Artaud, qui hurle à Dieu qui manque, comme un chien hurle à la mort. Antonin Artaud naît à Marseille en 1896. Avec lui, grandit l'ombre qui s'étend sur le siècle. Il regarde le monde qui pâlit. Antonin Artaud qui écrit sans soucier d'écrire, qui va dans le monde comme en un désert. Il écrit le fou. Antonin Artaud, c'est l'impossible que vous exigiez. Il vous revenait de droit, du très haut droit, de votre naissance, sur la terre peinte en or. Vous cherchiez la vie innocente, la vie au sang de neige, et votre choix pour l'appeler était celle d'un enfant de 5 ans perdu sous l'orage. L'éternité, alors, était notre humble servante. Ainsi alliez-vous, arpentant les grandes étendues stériles de la vie commune, passant outre, votre âme grinçant entre vos chairs, votre gorge trouée par le crochet d'une vieille étoile. Il n'y avait personne en vous, il n'y aurait jamais personne sous ce nom d'Antonin Artaud. Perdre était le chemin. Perdre en raclant votre cerveau jusqu'à l'os. Dans vos veines ensemencées par la foudre, le Dieu répandait l'abondance d'une douleur. Votre visage était lisse, dévoré du dedans, semblable à celui des saints ou des simples d'esprit, poli par une averse de pierres précieuses. Jamais vous ne cédiez au désir d'un repos. Mourir
était chez vous l'extrême éveil. Depuis l'éblouissement de votre naissance, votre corps perdait de sa chaleur, de son éclat. Un jour, il s'éteignait et votre âme argentée filait dans l'air tendu de blanc, immortelle à vrai dire. Dans la chambre vide, elle fleurit à nouveau, fécondée par le noir tournesol des lectures. Vous n'êtes pas mort, puisque je vous écris. Vous n'êtes pas fou, puisque je vous entends. Ainsi, oui, je vous imagine, à Sainte-Anne, Ville-Évrard ou Rodez, d'un asile à l'autre, contemplant dans le jardin de folie quelques maigres herbes infiniment soumises au vent infini. Criant parfois, criant, vous savez, comme ces enfants en bas âge, on ignore ce qu'ils ont, quelle agonie les atteint. Ils hurlent, ils effondrent le sommeil des parents, ils déchirent la soie des nerfs, ils ébranlent les piliers du ciel. On ne sait vraiment pas ce qu'ils ont. Quelles mains de glace froissent leur sang, brûlent leur peau. On envisage tout, et d'abord l'impensable, qu'un jour ils ne soient plus. On les prend dans ses bras et puis voilà, c'est fini, l'apaisement, le silence. Ainsi étiez-vous, pris entre les tenailles du temps et de l'éternité, hurlant ou souriant, suivant qu'une des deux pinces s'enfonçait plus que l'autre dans vos chairs. De vos souffrances, à présent, ne reste plus que l'éclat. Je vous sais par cœur, par le cœur. Lire, c'est la seule intelligence. Lire, c'est contempler le sang que l'on perd à chaque instant et combien il est sombre. Dans le silence, les mots se courbent. Ils ne disent rien. Ils chantent une langue vierge. Une langue dont vous retrouviez les échos dans les chants saignés à blanc de Van Gogh, dans ces orages physiologiques où Dieu n'était plus qu'une misère, qu'un suintement mauve au ras des labours. Antonin Artaud. C'était alors le nom de Van Gogh. Et Van Gogh, c'était le nom d'une branche de lilas sur une table boiteuse dans une petite maison morte. Qu'est-ce que l'âme ? La vôtre reposait dans les mains du Dieu. Il soupesait longuement l'ombre et le clair, puis d'un seul coup lâchait sa proie et vous chutiez interminablement dans la masse des heures, dans le bloc du temps. Qu'est-ce que c'est qu'être fou, qu'être malade? Je ne sais pas. Je crois qu'il est impossible de savoir. Je crois que l'on devient malade par intelligence. Par une intelligence trop exacte, trop soudaine, non acclimatée, une intelligence telle qu'en empruntant nos corps, elle brûlerait tous les nerfs, toute la tête. Je vous écris, c'est tout. Mélangeant les dates, les genres, les tournures, vous êtes devant moi. Comme cette rose sur la table, une proposition de l'air, des lumières, une présence. Les mots, pour la dire, se brisent sur la crête des premiers pétales. Écrire quand même, écrire votre histoire, autant dire l'histoire de personne, l'histoire de celui qui écrit, l'histoire de l'homme qui a une idée fixe. Écrire, c'était votre façon d'aider les astres dans la lutte qu'ils menaient contre vous. Un souci d'accentuer le mal qui vous dépossédait, qui vous expulsait de vous-même.
Comme dans ce conte où des parents jettent leurs enfants dans la forêt, dans la nuit, dans les landes balayées par le vent, par la faim, par la pauvre agitation de la guerre. Écrire une élégance dans le désastre. Nous allons continuer par Song from a Secret Garden de Rolf Loveland. Je parle si souvent de Dieu qu'on va finir par croire que je le connais, Christian Bobin. En relisant son œuvre, Les régions du ciel, qui sont parues chez Quarto Gallimard, j'ai été étonnée qu'il ose souvent lâcher le mot de Dieu, cette vieillerie, dit-il, qu'on étale sur des tartines de théologie, ou j'ajouterais dans une spiritualité vite écœurante. Christian Bobin remet le nom de Dieu en liberté dans la littérature. J'y vois la veine et l'audace d'un Rilke, d'un Jean Grosjean, d'un François Chang, d'une Étienne Lissou ou parfois d'un Olivier Py. Des figures intimidantes pour une autrice qui tente aussi, à sa modeste façon d'aller par là, de faire place au spirituel dans l'écriture. Mais Christian Bobin ouvre la voie, B-O-I-E et B-O-I-X, pour débarrasser Dieu de Dieu par un langage décalé ou en creux. J'ai vu Dieu rallumer son mégot. Il m'invite à me mettre à mon tour en quête d'images insolites et à retrouver les nappes phréatiques de ce mot, ses appellations plurielles, comme en hébreu d'ailleurs. Je cherche, dit-il, le Dieu sans barbe, le Dieu sans Dieu, sans grande musique, sans reliure cuir, sans grands effets. Dieu, c'est un mot plein de vent, déchiré, on voit le vide à travers.
C'est le nom de quelqu'un qui a des milliers de noms. Il s'appelle Silence, Aurore, Personne, Lila et des tas d'autres noms. C'est pas possible de les dire tous. Une vie entière n'y suffirait pas. Et c'est pour aller plus vite qu'on a inventé un nom comme celui-là, Dieu. Un nom pour dire tous les noms. Un nom pour dire quelqu'un qui est partout, sauf dans les églises, les mairies, les écoles. Dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à une maison. Car Dieu est dehors tout le temps, par n'importe quel temps. Dieu n'a pas de maison, n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, lorsqu'il voit une maison, il ouvre les portes, déchire les murs, brûle les fenêtres, et c'est tout qui entre avec lui. Le jour, la nuit, le rouge, le noir, tout. Tout est dans n'importe quel ordre. Et alors seulement, les maisons deviennent supportables. Alors seulement, on peut les habiter. Et puis il y a tout dedans, le soleil, la lune, la vie très folle, la douceur très grande de la folie, les yeux pervenches de la folie. Et Dieu repart ailleurs, toujours ailleurs. Dire le très bas pour lui, c'est être à ras de terre, c'est être là, vraiment, dans la sensation, à la manière de l'enfant. La première connaissance de Dieu dans la vie, dit-il, est une connaissance amère et sucrée. Englouti avec les premiers aliments d'enfance. Dieu, c'est ce que savent les enfants, pas les adultes. Un adulte n'a pas de temps à perdre à nourrir les moineaux. La façon qu'a Bobin de magnifier chaque instant, d'amplifier les détails, de prêter attention aux minuscules, moi, me donne envie parfois de prendre un café avec lui dans sa cuisine, avec un ange d'ailleurs, sans doute, un peu comme au cinéma, certaines scènes vous sortent votre quotidien, la banalité, et nous donnent envie d'être dans le film. Ça ressemble à nos vies, mais en mieux. Bobin, c'est ça, ça ressemble à nos vies en mieux. Renouveler le mot Dieu par la force de vision familière, donner à entrevoir le plus lointain dans le familier, dans l'ordinaire, ça s'appelle être poète. J'ai trouvé Dieu dans les flaques d'eau, dans le parfum du chèvrefeuille, dans la pureté de certains livres, et même chez des athées. Je l'ai presque jamais trouvé chez ceux dont le métier est d'en parler. À force de traîner les chemins, de s'endormir partout, dans les saules, dans les fougères, dans le nid des mésanges et dans les yeux des tout-petits, Dieu a une drôle d'allure. Vraiment, une drôle d'allure. Alors, certains ont vu de la candeur ou de la mièvrerie dans l'écriture de Christian Bobin, devant cette espèce d'émerveillement continu devant la vie pauvre. Et moi, je l'ai pensé aussi un temps. Ça m'a énervée. Sa densité d'écriture à chaque phrase et ses ravissements m'ont insupportée. Et j'y voyais un peu les facilités de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qui font les succès de librairie. Mais à persévérer dans sa fréquentation, tout le monde me disait que Bobin fallait lire, donc je persévérais. J'ai fini par y voir une infinie puissance, une sorte de naïveté seconde, celle d'après l'abandon de ce qu'il appelle les croyances jaunies. J'ai reconnu l'enchantement simple, la nudité de la vie d'après les grandes traversées, celle du manque, de la perte, du dépouillement, de la solitude, du désastre et de la mort, dont finalement, si on le lit bien, parle toute son œuvre. Et là où se joue finalement aussi la terrible vérité d'une expérience spirituelle de la vie. Il me plaît que le Dieu de Bobin laisse la place inoccupée, vide, incertaine. Dieu est le nom d'un phare au bord des côtes. Et peut-être cette place est-elle vide? Et peut-être ce phare est-il depuis toujours abandonné? Mais cela n'a aucune importance. Il nous faut faire comme si cette place était tenue.
comme si ce phare était habité. Il nous faut venir en aide à Dieu sur son rocher et appeler un par un chaque visage, chaque vague et chaque ciel, sans en oublier un seul. Alors, pour ne pas conclure, je prendrai volontiers à mon compte pour écriture et spiritualité cette parole du poète que je vous livre. Et spirituel, ce qui en nous ne se suffit pas du monde, ne s'accommode d'aucun monde. C'est quand le spirituel s'affadit qu'il devient du religieux. Le spirituel, c'est un homme qui marche sur les eaux sans même y penser. Le religieux, c'est le même homme à qui on a coulé les deux pieds dans le béton. À bon entendeur, salut, ami auteur. L'alchimiste. C'est une pièce pour violon et piano qui a été écrite. Ah, il y a encore un. Après, vous n'allez plus avoir de quoi jouer. Le texte que vous avez c'est marqué là, c'est marqué qui participe. Oui, c'est que c'est marqué. Et il y a une fois qui vous pouvez les aller jouer. Elle là. Alors, je vais Marc Bourich, notre poète, n'a pu être là et donc il m'a demandé de porter sa parole. C'est un fabuleux héritage que vous laissez aux orphelins que nous sommes devenus un jour de novembre de l'an 2022, aux mendiants, aux affamés, aux sans-logis. Après avoir fui toutes les chapelles, vous vous mettez hors champ. Poussez une visite à vos amis Jean Grosjean et Jean-Marie Kerwisch. Vous vous escamotez. Les cavaliers de l'Apocalypse à l'assaut du XXIe siècle, endiablés, ce n'est plus votre histoire. Vous êtes un migrant. Votre pays d'accueil est sans mesure, riche d'autres possibles. La précieuse semence de votre passage parmi les hommes d'ici germera, toujours neuve, à chaque équinoxe de mars. Vous étreignez là-bas ce que vous avez chéri sur terre d'un soin sans lacune ni balise. Vous saviez que le champ de l'amour, qui ne meurt, se régénère à tous les postes frontières de nos transhumances. À pas de chat, qui ne veut ameuter ses entours, vous parcouriez au long des jours les chemins de l'inconnaissable, humiliez les brises légères du ressuscité. Sans effaroucher le chaland, vous avez ouvert la sente oubliée dans le taillis du monde, vous flâniez incognito dans les alpages du Tao. Mieux qu'à une gratitude sans lendemain, c'est à une tâche heureuse et sans fin que vous nous conviez. Poursuivre le défrichage, guetter les éclaircies, bâtir des refuges. Sur des promontoires, vous le randonneur pourra jouir de l'horizon sans borne de votre pèlerinage. Vous nous aviez prévenu, cher Christian Robin, on ne peut pas mettre un cœur en terre. C'est pourtant dans les turbulences, au cœur de notre cœur, que nous noyons notre chagrin à l'annonce de votre échappée belle. Les nuages, les arbres et les oiseaux qui vous liaient d'amitié sont à leur tour les scribes fervents de votre saga. Nous console de votre congé, de ne plus entendre le chaleureux vibrer de votre voix, vivant, posée, écoutante, de ne plus palpiter au silence du voyant. Ne plus voir votre sourire épandre son baume sur les plaies de nos auditeurs, ne plus laisser éclater avec vous cette joie enfantine qui vous habitait en sourdine et que vous libériez parfois, sont notre sevrage. Vous n'ignoriez pas les rugosités, l'âpre de la vie. C'est un alcool fort, disiez-vous. Vous faisiez juste un pas de côté avec le sourire de Fra Angelico. Vous alliez muser derrière le paravent des mascarades et des escarmouches. Vous chantiez à la cantonade, à la claire fontaine, en allant promener
Vous vous êtes éclipsé dans l'ombre de la lune, mais tout passe, même l'éclipse. Vous reviendrez nous visiter et nos propres mots danseront comme pollen au printemps sur les rayons de l'astre dardant sa lumière d'autre tombe. Les fleurs du 24 avril qui s'envolaient vers le champ vieux, nous reviendrons en conversation chuchotée sous les frondaisons de l'intangible présence. Nous aimions libres de vous. Votre escapade dans les prairies élyséennes nous est une invitation sans retour à le rester. Le facteur devenu rare était passé un jour de mai, je crois. Une écriture au feutre noir réjouissait l'enveloppe de ses rondeurs. Une écriture ouverte, généreuse, familière comme un visage aimé. Votre première phrase me fit plonger dans l'eau fraîche d'une rêverie heureuse. Ne m'aimez pas trop, cher Marc. Vous exhaliez en six mots l'ultime fragrance, d'une vie fraternelle parmi les hommes. Depuis votre esquive vers les estives d'altitude, vous avez rendu le sentier du trop impraticable, ouvert celui du bien qui conduit à la source cachée, où se trame fil à fil les couleurs du cœur avec celle du regard habité, où s'élabore le singulier, l'unique, le tissu de l'âme, enfin libéré du carcan des explications, des pacotilles et des miroirs. Les retrouvailles sont proches. Nous échangerons bientôt sous le porche d'une cathédrale de nuages. Nous deviserons en silence l'air du temps qui passe et celui qui n'a jamais passé. Nous serons libres de bagages, léger comme vol d'hirondelle au retour des tropiques après la migration. L'Alchimiste, une pièce pour violon et piano qui a été écrite pour nous par un compositeur qui est ce soir parmi nous. Christian Bobin, qui a écrit quelque part « Sa journée sauvée par l'éclat d'un rayon de soleil sur une jonquille ». Alors, c'est quelques grains de mémoire d'un poète au crépuscule. Personnage, crocus, levé entre les herbes sous le faisceau d'un soleil de printemps. Mésange, roitelet à gorge déployée dans le vallon sur les ailes du vent.
iode des mers, parfum de lavande et de thym au bord des sables où va le vent d'autant. Caresse de fruits mûrs au creux des mains ouvertes, douceur goûteuse des pommes sur les claies. Arôme cristallin des grappes de raisin au pied des vignes à la tombée du soir. Et sur la peau de l'âme, les traits indélébiles de ces visages aimés au cœur du temps. Au chevalet de la mémoire, le pinceau du poète s'attarde à la beauté cachée des êtres comme une invitation à poser sur le monde un regard de bonté. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis émue, heureuse de vous rencontrer pour la première fois. Voilà. Et donc, je vais simplement témoigner de ma rencontre avec Christian Maublin. Je l'avais lu il y a très, très longtemps, quand justement, il n'était pas tellement apprécié, comme le disait l'une d'entre nous. Et c'était même un petit peu, comment dirais-je, on se moquait un petit peu de ce qu'il disait. Christian Maublin, je m'en souviens bien. Mais par la suite, j'ai été prise par mes recherches qui me demandaient beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et j'avoue que je n'ai pas lu trop de livres de Christian Maublin, mais j'ai eu l'occasion de l'entendre très souvent. Et c'était extraordinaire. À travers sa voix, je trouve que son écriture et sa voix sont sur le même plan. Pour moi, sa voix a été aussi importante que certains livres que par la suite j'ai pu lire. Mais alors, je sens, si vous voulez, l'expérience que j'ai vécue avec lui, elle est très, très forte. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui circule. L'esprit circule parmi nous. Je l'ai vécu d'une façon très forte, puisque j'ai enseigné longtemps et j'ai pu vivre cette circulation de l'esprit entre moi et mes innombrables étudiants, puisqu'à la faculté, il m'arrivait d'avoir 500 étudiants dans un amphithéâtre et de voir comment cela pouvait circuler, cet esprit. Donc, cette circulation de l'esprit, pour moi, elle est très, très présente dans l'œuvre et l'homme, Christian Maublin. Pourquoi ? Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était pas très longtemps, c'était à la librairie Chantelivre. Il faisait des signatures de Pierre, virgule, ce livre qu'il a dédié à Soulages. Et je suis allée, bien sûr, comme tout le monde, pour lui demander une dédicace. Il m'a regardée, il me dit « Vous écrivez ». Il ne me connaissait pas du tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai senti très vite qu'il y avait quelque chose qui circulait entre nous. Et je l'ai entendu dire quelque part: la poésie, c'est l'art qui circule. La poésie n'est pas simplement dans les livres, elle n'est pas dans la littérature, elle est en quelque sorte dans cette vie si on porte une attention suffisamment ardente, suffisamment profonde à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est vivant devant nous. Et curieusement, il m'a donné son adresse. Il m'a donné son adresse alors que je ne lui ai pas demandé. Et donc, je lui ai écrit, je lui ai parlé un petit peu de moi. Mais ce qui a été bouleversant, c'est ceci que je vous lis. Cher Zabamara, je vous remercie pour m'avoir fait entrevoir la splendeur de votre père et de son cœur bâtisseur. La splendeur de votre père, de son père. Alors, ce qui est très émouvant dans mon témoignage de ce soir, puisque je parlerai aussi au nom de mon éditeur, c'est qu'il y a entre Christian Maublin, mon éditeur et moi, quelque chose qui nous relie très, très fortement, c'est le père. Voyez-vous, moi, je lui parlais de mon père et il me répond: merci de m'avoir parlé de la splendeur de votre père. Je vous dirai tout à l'heure en quoi cette paternité a quelque chose de très émouvant et de très fort.
Et voilà donc, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que j'ai senti qu'il m'avait comprise, car mon père était maçon et moi, j'ai été enseignante pendant une quarantaine d'années, de la sixième à l'université, et j'ai toujours eu l'impression que je faisais son métier. Je voyais mon père bâtir des maisons en chantant, et pour moi, c'était merveilleux, parce que voilà, j'avais l'impression de bâtir sur pierre vive, comme disait Rabelais, ce sont des hommes. Et c'est ça qui me touche beaucoup chez Christian Bobin, cette idée que la poésie n'est pas forcément le fait d'écrire. La poésie, c'est une manière de vivre, une manière d'être au monde, et une manière d'avoir des contacts avec les autres. Car l'autre, que serions-nous sans l'autre, sans les autres. Et donc, pour moi, la poésie a été, dans mes cours, a été cette circulation merveilleuse qu'il pouvait y avoir entre, puisque j'ai été professeure de français, et plus tard, j'enseignais les rapports entre la poésie et la peinture. Donc, cette circulation qu'il y avait entre moi et les élèves et les étudiants par la suite était vraiment de l'ordre du sacré. Et là, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais je n'ai pas le temps. Donc, vous voyez, ce que je peux dire dans ma rencontre avec Christian Bobin, elle a été très rapide, mais d'une intensité très grande. Et je lui en ai été très reconnaissante. Et comme il le dit dans un passage que je vous lirai tout à l'heure, il est toujours là, toujours présent. Voilà. Comment ? On continue, on peut continuer, vous avez pu le vous m'avez dit à continuer sur le Frédéric. Ah, très bien, c'est dommage. Oui, donc Frédéric Brun est mon éditeur que j'ai rencontré aussi tout à fait par hasard, par cette circulation de l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure. Il présentait son livre de Novalis et en même temps il parlait de sa maison d'édition. Je suis allée le voir et nous sommes devenus de grands amis. Nous avons collaboré beaucoup pour la création en fait de la maison d'édition Poésis. Et ce livre est le livre de, comment dirais-je, le manifeste de la maison Poésis, c'est-à-dire quel était le point de départ pour Frédéric Brun, c'était cette idée « habiter poétiquement le monde ». Un vers de Hölderlin, c'est un poète que l'homme habite cette terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire « habiter poétiquement le monde » Eh bien, c'est pour Frédéric Brun, c'était vraiment quelque chose d'important et il avait envie d'interroger pas seulement des poètes, mais tous ceux qui réfléchissent sur ces rapports que nous pouvons avoir avec le monde, avec la Terre, n'est-ce pas? Et donc, dans cette anthologie, nous avons toute une série de textes magnifiques sur ce thème. Cette anthologie a beaucoup plu à Christian Bobin et est née ainsi une amitié entre Frédéric Brun et Christian Bobin, une amitié qui a donné lieu à un petit cadeau de la part de Christian Bobin, un cadeau que Frédéric Brun considère, auquel il accorde une grande importance, c'est ce tout petit livre. Ce tout petit livre qui s'appelle donc « Le plâtrier siffleur » et qui montre comment habiter poétiquement le monde, c'est justement vivre le plus humainement possible, le plus simplement possible, en accordant l'attention la plus pure, la plus ardente au vivant, à tout ce qui nous entoure. Et certains d'entre vous avaient très bien évoqué cela déjà. Tout ce qui brille est un regard, pourrait-on dire, pour citer Bachelard. Tout ce qui brille est là et nous regarde, à nous de savoir cueillir ce regard. Je crois que quelqu'un a parlé de prière tout à l'heure et il m'est venu à l'esprit un mot de Malebranche disant « l'attention est la prière de l'âme ».
l'attention et la prière de l'âme. Justement, dans ce livre et dans les échanges entre Frédéric et Christian Bobin, il y avait cette idée d'attention à la moindre chose. Et donc, une amitié s'est née, il y a eu des échanges. Mais ce qui est émouvant, et là aussi, si vous voulez, cette histoire de paternité dont je parlais tout à l'heure est très belle. Moi, je suis maintenant un peu le porte-parole de Frédéric Brun. Et je peux vous dire qu'il a rencontré Christian Bobin assez jeune à travers le livre « Le très bas » qui lui a été offert par son père. Or, aujourd'hui, Frédéric Brun travaille à une vidéo consacrée à son père. Frédéric Brun est particulièrement attaché à son père. Il a déjà écrit un livre, non seulement sur sa mère et sa tante, que vous connaissez certains d'entre vous, mais aussi sur son père. Et là, en ce moment, il fait un gros travail. Donc, il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec beaucoup de bonheur. Et donc, vous voyez, cette idée du père qui donne le livre à un adolescent. Et par la suite, tout ce que tout ce qu'il a pu lire au sujet de Bobin, c'était cette lumière salvatrice qu'il nous donne, qui nous permet justement d'affronter la vie, car la vie n'est pas facile. Et Christian Bobin parle très souvent des épreuves que nous sommes amenés à affronter. Et voilà donc que ces épreuves, donc, il faut les affronter. Et Frédéric a beaucoup aimé les rapports qu'il a pu nouer avec Christian Bobin. Et donc, il a écrit un texte qui est particulièrement beau dans les Cahiers de Lerne, où il évoque justement cette question de cœur et ce rapport avec le Père. Et il nous rappelle quelque chose qui est très émouvant et qui peut nous relier tous les trois, c'est que le Père de Christian Bobin avait offert à Christian Bobin les œuvres de Rimbaud. Donc il y a là, si vous voulez, pour nous trois, Frédéric Brun, pour moi, qui ai osé lui parler de mon père dans la lettre que nous avions échangée, eh bien, cette idée que le père reste notre éducateur, même s'il est parti, il reste avec nous. Et il y a des pages très belles, justement, où Bobin parle de son père encore présent. Donc, l'omniprésence du père. Et je crois que chez Frédéric Brun, que je connais bien, qui est un grand ami, il y a cette présence du père. Donc, si vous voulez, nous retenons cet attachement avec cet être qui est très important pour chacun d'entre nous et à qui nous voulons rendre hommage. Et voilà que rendre hommage à Christian Bobin, c'est rendre hommage à nos morts, rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, mais qui sont toujours avec nous, il le dit très souvent. Voilà. Merci. Alors, nous allons poursuivre par une Sicilienne composée par Maria Teresa von Paradis. Thank you.
Si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours, nous tomberions à genoux devant tant de grâce. Ces petites fleurs ne semblent flotter sur aucune tige, comme un ciel second égaré parmi nous. Un regard aimant sur elles et elles sont délivrées, remontant aussitôt au ciel premier, à l'intérieur duquel, selon le prophète Enoch, les anges forgent leurs épées et leurs cuirasses. Beaucoup de très belles choses nous attendent, sans jamais s'impatienter de ne pas nous voir venir. Christian Bobin ne croit qu'à une chose, l'amour du monde, l'amour des autres, l'amour de soi, qui est le premier tressaillement de Dieu dans la jubilation d'un cœur. Alors, retour au Creusot, à l'église Saint-Charles, juste à côté de la maison d'enfance. Derrière cette église, l'église Saint-Charles, un soir vous avez découvert l'existence du mal. Racontez-moi cela. Oui, c'est très simple. C'est normal de découvrir l'existence de l'ombre juste à côté de la lumière. Mmh. Ce que j'ai vu, c'est une scène rapide de violence. J'ai vu des enfants de mon âge qui étaient en groupe et qui se sont tournés contre un des leurs. Et j'ai vu la jubilation sur les visages. Et ce jour-là, j'ai su qu'une des figures du mal, parce qu'elles sont nombreuses, c'était tout simplement le groupe. C'était le mal, c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord, au fond. Voilà, ce sur quoi tout le monde est d'accord. C'est le nombre, le groupe, tout ce qu'on peut appeler la société. C'est ça. Christian Bobin tutoie saint François d'Assise. Et lorsqu'il sera grand, il se mariera avec sainte Thérèse d'Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. C'est lui qui le dit. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez un petit peu de Dieu. C'est le plus secret et le plus vivant de chaque personne. Voilà. Et c'est que bienfaisant. Il y a également un sujet qui revient assez souvent, même des personnages, j'ai envie de dire, les anges. Oui. Il y a toute une nuée autour de vous. Oui. Que représentent pour vous, justement, les anges? Ben, pas grand-chose. Du moins, ce ne sont pas les anges de l'imaginaire, de la statue, des statuaires, de la peinture. Et je ne suis pas persuadé qu'il y en a beaucoup dans cette église. Je pense que, si vous voulez, c'est très simple. Ce que j'entends par un ange, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient arrêter la mécanique mortelle où on se trouve tous les jours, la mécanique de convention. Donc c'est quelqu'un qui arrête. Ça peut être une parole, ça peut être une phrase dans un livre, ça peut être un rire, ça peut être un geste. Tout ça, c'est de l'ordre angélique, quand ça nous ramène à notre vie, quand ça arrête le cours inconsistant de nos jours. Pour écrire son dernier livre, Christian Bobin a secoué la boule à neige de son enfance. Il y a retrouvé 2000 ans de solitude, des milliards de déménagements dans les platanes et les nuages, le pas feutré de la méditation au plus près de l'intime. Il y a une phrase très belle d'un gitan qui dit ceci. La plus belle vie, c'est la vie qui a connu beaucoup de souffrances. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout ce qui ouvre le cœur fait venir de l'air. Et l'air, c'est le plus grand esprit qui nous vient, qui nous monte à la tête. L'air, c'est Dieu même, en fait. C'est Dieu même, l'air. Donc tout ce qui ouvre le cœur... Et parfois, on l'a si dur, le cœur, qu'il faut bien que les épreuves viennent le fracturer comme une pierre ou comme un morceau de bois sec qu'il faut enflammer. Il ne faut pas rechercher les épreuves, ça serait du masochisme. Hein? Et la joie peut donner évidemment la même chose. Mais je sais que dans cette vie, tout est mélangé, on ne peut pas choisir. C'est pour ça que je ne fais pas de l'angélisme, parce que je ne choisis rien. J'essaye de prendre ce qui me vient, ce qui m'est donné, ce que je subis parfois, et j'essaye de l'accueillir tout. Voilà.
Creusot, l'ange de la vie dort dans les remises à outils, au fond des jardins ouvriers. Son cœur est chiffonné comme une pivoine. Il a la douceur sidérante de ceux qui ne prétendent plus à rien. Et de son ange à lui, Christian Bobin dit qu'il est souvent au chômage, mais qu'il essaye de lui retrouver du travail. Est-ce qu'il y a une révolte en vous concernant l'Église, concernant la foi ? Je crois que les institutions, et les églises comprises, sont les tombeaux de la vie. Le problème, c'est la puissance. Oui. Voilà. La vie ne va jamais se montrer là où il y a de la puissance. Il y a là où il y a une puissance montrée, d'un costume, d'une fonction, d'une représentation. La vie est comme un animal farouche et qui craint ces choses-là. Comme une bête qui craindrait les chasseurs. Donc là où il y a de la puissance affichée, l'espace du vivant se restreint, diminue. Et c'est simplement c'est la seule pensée que j'aurais de ces manifestations-là, très officielles de la religion. Maintenant, on ne peut rien exclure, pas même qu'un évêque croit en quelque chose. La sainteté m'a longtemps intéressé jusqu'à ce que je trouve mieux qu'elle. La vie de chaque jour, la simple vie sans prestige, fatiguée et ravaudée par endroits, comme un drap de coton un peu lourd qui a beaucoup servi, avec des initiales brodées de rouge. Vous avez également une forme de quête que l'on retrouve dans votre livre, j'ai envie de dire une forme de quête au niveau de la pureté. On en vient à la lumière. Donc là, c'est encore une problématique un peu biblique, parce que la lumière est très présente dans vos écrits. C'est le mot, avec le mot de neige, c'est le mot le plus beau que je connaisse. C'est un mot qui donne immédiatement ce qu'il annonce. Oui, c'est le mot le plus beau que je connaisse. À l'entendre, à l'écrire, à le lire, je me sens en paix. Vous dites, même un aveugle peut voir la lumière, il suffit que quelqu'un de bon lui parle. C'est ça, oui. Oui, le fin fond de la lumière, c'est la bonté. C'est ça. D'accord. Voilà, ça, j'ai envie de faire un lien avec le paradis. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, le paradis ? Eh bien, le paradis, c'est le réel. Le paradis, c'est tout simplement exactement ce qui se passe au moment où ça se passe. Le paradis, c'est d'être présent chaque jour dans sa vie. Le paradis, c'est les rencontres qu'on peut faire. Le paradis, c'est le réel. D'accord. C'est la chose que la plupart du temps, on va chercher à fuir, le paradis. C'est-à-dire, c'est la vie quotidienne, sans prestige, sans puissance. C'est simplement la douceur et l'étonnement de vivre une vie dont on ne comprend pas le sens, mais qui a un sens. Et c'est le jour après jour. C'est ça le paradis. C'est-à-dire, figurez-vous qu'on y est. Pour terminer cette soirée, Atlas de Vittorio Monti.
infiniment, Audio Aventurine. Merci à nos...